Alors, bonjour mes petits camarades, nous sommes le samedi 27 février 2021 et on s'est encore barré avec mon Alexandra dans les bois pour se vider la tête. Que la tête, on se vide que la tête, il n'est pas question de faire pipi contre un arbre et tout non, ça. Non. Promis, juré, craché. De toute façon, je ne le ferai pas. Donc, ben, on est resté dans notre ville parce que finalement autour de notre ville, il y a des bois qui sont magnifiques. Vous voyez, comme ça coule, comme c'est beau. Voilà. Donc elle, la môme qui est en train de filmer, ça lui donne déjà envie de pisser. Tu m'as dit, non, ça donne envie de pisser ta flotte, tu m'as dit. C'est pour ça? Si. Ah bon. Mais ça va. T'as pissé ce matin? Bah oui. Et tu pisseras ce soir? Ouais. Bon. Donc on est parti faire un tour dans les bois au-dessus de fumée. Et puis on a encore certainement, je suppose, je ne sais pas ce qu'elle a encore dans sa tête, Alexandra. Elle doit me préparer normalement un bon repas à midi, ça me changera. De toutes les merdes que j'ai bouffées cette semaine, donc je compte sur toi. N'inquiète pas. Ah, mais je suis pas inquiet, mais... Ah si, je suis inquiet, je t'ai déjà dit, je suis inquiet. Quand tu dis papy, t'inquiète pas. Ça m'inquiète. Bon, alors t'inquiète. Ah. Et ben, je suis inquiet. Non, je sais que je vais bien manger encore avec toi. Et puis, une autre petite promenade cet après-midi, on fera un peu moins long, hein. Ouais. 34, on fera 33 aujourd'hui, ça ira. Ouais, parce que mes chevilles, elles s'en rappellent encore, hein. Encore? Ah oh non de Dieu. Bon, t'es prête pour entrer au GIGN, à la Légion, chez les paras? Ouais. T'es à fond là. Alors, cet après-midi, donc normalement, pour rentrer dans les forces spéciales, il faut faire 50 km par jour avec un sac à dos de 35 kg. Ouais, ben 50 km par jour, moi j'ai déjà plus de chuis, je les ferai donc, pas. Donc tu n'iras jamais dans ouais, les forces spéciales. Ouais, mais de toute façon, j'y compte pas. Hein. Ah bon? Ben pourquoi tu me dis. Tu me demandes, papy, entraîne-moi pour les forces spéciales? Non. Ah non? Non. J'ai entendu ça dans ma tête, c'est dans mes rêves. Ouais. Ah ouais. Je crois que je suis mûr pour l'asile, moi. Non, mais c'est pas la peine de dodeliner. Dis-le, oui, t'es mûr pour l'asile. Ouais, c'est vrai. T'es mûr pour la maison d'en haut, avec vue sur l'avenir, ben gros, hein, c'est ça. Exactement. Ah bon. Bon, on continue? Ouais, go. C'est parti, mon. Kiki. Plus fort, c'est parti, mon. Kiki. Si tu veux rentrer dans la Légion, faut gueuler. Kiki. T'as vu? C'est comme ça qu'il faut gueuler. C'est parti, moi! Kiki! Ouais, bon. Non, t'es pas prête, hein. On en est où, Alexandra, là? C'est bientôt cuit, on va bientôt manger. Alors, qu'est-ce que... Ah, allez, bon, tourne le dos. Et ta bonne sauce, là-bas? Oh là là, j'ai des frites. Oh, bon nom de Dieu. Oui, parce que moi, je commence à avoir faim, moi. Ben, tu m'as fait marcher comme une vache, ce matin. C'est toi, quand vous montez la méga côte, j'ai dit non. Et finalement, t'as bien fait? Gueule. Mon Alexandra, merci de ce bon repas. Bon appétit, mange pendant que c'est chaud. Dis-moi tout. C'est magnifique. T'as encore pas assez mangé, faut que tu bouffes encore une glace, toi. Mais c'est pas vrai. Et qu'est-ce que c'est que ça? Cette petite douceur? Non, pas de pub à la télé, madame. Ah, mince! Raconte. C'est quoi? Mais je peux pas faire de pub. Tu peux pas dire c'est quoi? Bah, du... Du Ron Blotto. Bon, vous avez compris, les gens, c'est du Ron Blotto. Alors, les gens, ils vont aller au magasin. On voudrait des glaces au Ron Blotto, ta gueule. C'est bon? Ouais. Bon. C'est trop magissant, tu vois. Oui, comme d'habitude. Tu te seras encore bien foutu de ma gueule aujourd'hui. De toute façon, je les aurais terminés avant moi. Tu fais deux bouchées, c'est fini. On met même pas là. Une bouchée, ça. Allez, ciao, à tout à l'heure. Hein. Ciao. Parce que là, on finit la glace, on pisse et on y va. Hein. Parce que la bouffe n'attend pas. La bouffe... Par contre, bon, ne vous attendez pas à une grande rando aujourd'hui. On en a fait une ce matin. Ouais, parce que mes chevilles sont mortes. Ses chevilles. Je croyais que c'était son genou. Non, finalement, ce sont ses chevilles. Madame a les chevilles fragiles parce que madame est une princesse, donc une princesse, ça les attache. Genre, t'as pas eu pas mal d'autres. Donc voilà, c'est comme les biches dans le bois, ça marche sur des antérieurs droits comme des i, mais fragiles. Fragiles. Tu n'iras pas dans les forces de sécurité spéciales, pas... ni compte surtout pas. Mais je n'y veux pas. Je n'y veux pas. Tu parles bien français, toi. Hein, c'est bien. Non, je ne veux pas. Pourquoi t'as dit je n'y veux pas? Mais parce que j'étais en train de manger en même temps.
Ah, tu peux pas faire deux choses à la fois, mais je croyais que les femmes, vous avez deux cerveaux, vous, Oui, non? mais c'est pas bien de manger la bouche pleine. De manger la bouche pleine. Bon, c'est bon que tu bois pas d'alcool, sinon là, je dirais que t'es, mais c'est pas bien de manger. Ah oui, d'accord, ok. Bon, Alexandra, on va dire au revoir parce que le film, il est gâché. Grâce à toi, merci! J'étais là. Allez, ciao! 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 C'est donc la balade de l'après-midi avec la caméraman, là, Alexandra, qui a laissé royalement tomber son grand-père ce matin, qui avait envie de pisser. Voilà. Parce qu'il faut que je vous raconte quand même l'histoire, les copains. Là, je suis dans ma grotte, donc je suis bien Là. à l'abri. Je peux vous la raconter, l'histoire. C'est pas la petite fille gentille que vous croyez que c'est avec son grand-père. J'avais envie de pipi. Quand j'ai envie de pipi, je marche avec ma canne de randonnée. Il faut que je pose ma canne contre un arbre. Il n'y avait pas d'arbre, il y avait des bradilles. Donc, elle marchait devant moi, elle, et je lui dis, Alexandra, tu viens me la tenir? Elle continue bien droite, sans se retourner. Non, qu'elle dit, non, non. Et moi, j'étais comme un con. Alors, je vous le montre. Avec ma canne, parce que c'était de la canne dont je parlais de rien d'autre, Alexandra. C'était la canne qu'il fallait Ah, me tu tenir. me sors? Ouais, je vais faire pipi, tu me la tiens. C'est pas aussi vite que ça, je te l'ai dit quand même. Je vais pisser, alors le temps de chercher un arbre, pas d'arbre, merde, une brindille. Et je te tends ma canne, mais toi tu continues à marcher, Mais moi, je voyais rien, rien à moi. foutre du Fallait mieux. préciser. Tu me la tiens, l'autre n'a pas osé se retourner, il s'est dit, ça y est, il a déjà déballé les outils, le vieux débile, là, le vieux dégueulasse. Tu me la tiens, non, non, que je dis non, non, l'air de dire non, n'y compte même pas. Et toi, tu restes Je comme me un fais gros passer pour con la avec ta grosse canne comme dégueulasse, ça, tu et tu dis, mais ma petite fille m'abandonne ou quoi? Et puis, en 2 secondes, tu réalises que tu as dit une connerie quand même, et qu'elle a pas tort, ta bonne gamine, tu vois? Donc tu te marres en pissant, en faisant gaffe de ne pas t'arroser les gonades, parce que j'étais en train de pisser, puis je rigolais de tes conneries. Mais je voyais que tu te barrais, toi, en plus. Ah non, dégueu. Donc voilà l'histoire. Donc par rapport à ça, moi j'en ai marre de ce monde-là. On peut avoir confiance en personne, surtout pas en sa petite fille, surtout n'ayez jamais confiance dans votre petite fille. Non, il faut préciser, c'est tout. Oui, c'est vrai. Et alors, j'ai décidé de me retirer dans ma grotte. Elle est pas belle, ma grotte? J'ai pas dit ma crotte, hein, ma grotte. Mais je sais, hein. Oui, mais je me mets bien avec toi. T'articules quand même. Parce que tu. Je Hein? suis pas sourde, hein. Ouais, non, mais attends. Tu confonds tout, tu mets tout à l'envers. C'est toi qui fais des sous-entendus. Non, c'est toi qui comprends. Mais je me demande si t'es pas malsaine dans ta tête quand même, tu vois? La faute à qui? Oui, c'est vrai. Eh ben voilà. Voilà. Ma canne. Alors, enfin, je veux dire mon bâton, parce qu'on peut plus dire ma canne. Ceci dit, on a quitté ma grotte. Ma grotte. On est chez des gens là. On est chez. Voilà. Donc, Alexandra voulait me montrer sa nouvelle maison dans les bois. Alors, voilà, il y a du boulot quand même, ma petite Alexandra, Ouais, ils là. ont pété des Ça vitres. rapporte pas ce casier médical ou quoi là? C'est quoi? C'est une ruine maintenant? J'ai pas encore de travail, hein. Ouais, mais enfin, t'as fait des stages. Ah, mais t'as pas été payé, c'est vrai. Bah ouais. Ah, ben voilà, c'est ça le problème. Donc, voilà. Voilà dans quoi elle vit. Enfin, il y a un balai, tu vas nous faire un petit coup de propreté quand même. Hein. Un balai. Un cendrier pour le vieux. T'as vu? Ah, ben voilà. On a du chauffage, il y a du bois en dessous. Finalement, ta vie sera belle ici, tu verras, tu vas t'habituer. Avoir des cailloux dans la tronche, parce qu'il y a des gens qui vont venir squatter. Et des ronces. Ouais, mais voilà. Voilà, tout est là. Donc, c'est une belle maison, moi j'aime bien. Donc, je voulais te montrer ça aujourd'hui. C'est l'objet aujourd'hui de cet après-midi d'une petite sortie, bien tranquillement, pour se refaire les jambes. Hein. Je dis, si. Donc voilà. Voilà l'objet de notre sortie de cet après-midi. Je pose mon bâton. Donc, petite sortie tranquille cet après-midi dans les bois. On ne vous dira pas où on est parce que sinon on va encore être emmerdé. Hein, tu t'en doutes. Donc voilà, sur du plat. T'as vu, pour une fois, c'est du plat. Hein. Ouais, avec des ronces. Ah, pardon. Oh, on a vraiment. J'ai vraiment pas de bol avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un jour comme ça. Enfin, ceci dit, nous avons très bien mangé. Ma chère Alexandra, c'était comme d'habitude très bon. Je ne me voyais pas faire comme l'autre fois avec toi 34 km. Après ce qu'on a bouffé, parce que là tu m'as fait bouffer non seulement un tour de dos, mais c'était au moins une vache ton truc. Donc non, on a mangé encore royalement. Donc on se la joue cool cet après-midi. Ouais. Petite pause ici, il sort les bières, le digestif, on y va. J'ai rien.
Ça m'étonne pas. J'ai une gourde d'eau si tu veux. C'est toi la gourde. T'as compris? Ouais, moi je te le dis. Moi? Je n'ai peur de rien.